Mondial Sport vous propose les maillots de la nouvelle saison 2020-2021 avec des prix défiants. Toute concurrence, un maillot coûte 9000 francs CFA. Donc voici les maillots disponibles dans les boutiques de Mondial Sport. Juventus domicile, Inter domicile, Liverpool extérieur, Barça domicile, Arsenal domicile, Liverpool domicile, PSG domicile et un maillot spécial Paris Saint-Germain. Pour commander, contactez le 77 059 99. Offre spéciale Mondial Sport, maillot plus flocage à 10 000 francs. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc, vous gagnez Warul Tite, Warul Ragal, dernier jour du mercredi des transferts. Donc, tel est hier, 5 octobre, 23h, 59 Breaking News, Manchester United propose un prêt avec option d'achat d'environ 49 millions d'euros pour Ismaïla Sarr. Donc, offre bien à maintenir, Watford n'a pas eu, Watford n'a pas eu. Parce que Watford dañu bëgg doli 25 millions d'euros, c'est-à-dire mu nekk donc 74 millions d'euros, donc prêt avec option de ça 74 millions d'euros au cas où ñom ñu baña té Ismaïla Sarr, parce que ñom il se peut que ñu baña té Ismaïla Sarr à l'issue de la saison, parce que prêt avec option de ça bu lay nexé jënd bu lay nexé baña jënd, mais Watford dañu bëgg am donc bénéfice avant ñuy bay Ismaïla Sarr di dem. Donc ça c'est très clair. Donc d'abord aussi Watford jaay lañ bëggoon, donc Watford ils veulent vendre. Mais comme Manchester United prêt le bug avec le fair play financier, Watford dit bug toftal khalis, comme ça ñom duñ perte, ils veulent recruter le maximum d'argent avec Ismaïla Sarr. Donc fofu le transfert Ismaïla Sarr bi tollu, donc dernier journée bi dina saf sapan, dina saf sap, parce que donc tay ku demul ku amul transfert doto amat transfert jusqu'à Javi Abidjalo est en train de passer sa visite médicale avec le Racing Club de Strasbourg. Donc ñu ko annoncé ay Tottenham Allemagne fune, mais il va finalement signer à Strasbourg pour un montant de 10 millions d'euros. Donc lol le téléfoot wax nako, donc si Dieu prélé nenko, Abi Diallo sera un nouveau joueur de Strasbourg. Donc il ne va pas quitter la France, il va rester en France. Donc ça c'est pour dire que Abi Diallo donc a trouvé un point de chute, donc il sera remplacé par Ibrahima Niang. Donc Choupo-Moting signé avec le Bayern de Munich, comme nous l'avons dit, il est un nouveau joueur du Bayern de Munich. Malang Sarr aussi avec Al FC Porto. Mohamed Simakan a trouvé un accord avec l'AC Milan, un contrat de 5 ans. Strasbourg en demande 15 pour laisser partir son joueur. Donc Strasbourg aussi n'a récupéré fort Khalis pour financer le transfert d'Ayoub Diallo. Donc cas contact au Covid-19, Adrien Rabiot du football, les matchs de l'équipe nationale de France durant ce mois d'octobre. Donc Arsenal prévenir la Liga de son intention de lever la clause libératoire de Thomas Partey, parce que comme Lucas Torreira demna, Kendouzi demna, Arsenal veut recruter Thomas Partey pour renforcer le militaire. Donc Manchester United donc n'a dépensé 30 millions d'euros pour signer Amad Traoré, donc qui arrivera en Angleterre en janvier une fois son permis de travail obtenu. Donc le joueur donc va quitter donc l'Italie pour signer en Angleterre avec Manchester United. Olympique de Marseille donc nous avons signé le jeune défenseur de Bâle, FC Bâle, le Suisse Sylvain Widmer. Donc Marseille ko ko luñ bëgg jënd pour renforcer cette défense. Donc option d'achat de Danilo Pereira sera automatiquement levée si le PSG finit sous le podium de Ligue 1. Donc c'est pour dire que Danilo Pereira va rester au Paris Saint-Germain, parce que Paris c'est sûr que minimum ils seront champions de France, parce duñ moromu équipe française. Donc ça c'est très clair. Donc gis nañ aussi Kenny Lala du signé Olympique de Marseille. Pablo Longoria donc muy privilégié benen piste. Donc Kenny Lala mi nga xamné bëggona dem Marseille, il n'ira pas à l'Olympique de Marseille. Ousmane Dembélé ne bougera pas, il est focalisé sur sa saison avec le Barça selon Mohamed Bouhafsi. Donc mom dañ ko annoncé Manchester United, mais il va pas quitter. Mandeo Darmian Manchester United al nañ ko Inter Milan avec option d'achat. Real Sociedad non Tottenham al nañ ko Offenheim jusqu'à la fin de la saison. Alex Telles mu passe actuellement sa visite médicale, il va signer un contrat de 4 ans plus une année en option à Manchester United. Michael Cuisance aussi mu passe actuellement sa visite médicale du côté de l'Olympique de Marseille. Ben Godfrey quitte Norwich pour signer avec Everton. Donc Everton donc ils ont recruté Godfrey en provenance de Norwich. Donc voici des transferts déjà donc déjà bouclé, Danilo Pereira PSG, Bouna Sarr Bayern, Douglas Costa aussi demna Bayern, hein? Douglas Costa international brésilien de la Juve demna Bayern Dominique, Choupo-Moting Bayern, Cuisance OM, Memphis Depay aussi dem Barcelone. Donc Memphis Depay va signer FC Barcelone. Donc Doku aussi demna Rennes. Donc il y a beaucoup de transferts ont été donc finalisés durant ce dernier jour. Donc Depay va signer au
FC Barcelone. Donc Juninho waxon nako dembu ne Memphis Depay pourrait s'envoler demain pour signer au FC Barcelone. Donc d'ici 23h59 donc di ngène am yenen information transfert yu tang parce que tay ku transfert reçu donc tu vas rester dans ton club. Té ñen ñi am nañ bon transfert comme Habib Diallo, il va signer à Strasbourg, mu ngi donc def sax visite médicale actuellement. Donc tay journée bi yomba, ça sera une folle journée de transfert. Donc Chelsea donc gis nañ né Chiesa dem na jouer de Turin, Guendouzi Hertha Berlin, Telles Manchester United, Ben Lamri. Donc international algérien, c'est un défenseur bi mom day signer Olympique Lyonnais. Donc Smalling va rester à la Roma. Donc ça c'est très clair. Donc Garin Diaye warul tir warul ragal. Bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire. Omnisport Sénégal Maroc, ça sera ce vendredi ou bien Maroc Sénégal parce que le match va jouer à Rabat. Mota Lyon est actuellement ni qui fait le tir. Rabat Cissé et son staff sont à Rabat depuis samedi. Mota actuellement ni car 20 Lyon, 20 Lyon attendu à Rabat ce lundi, titre le journal SAD, donc rassemblement vie. Lyon est presque, ils seront au complet avec Edouard Mendy, Cheikh Kouyaté, Famle Diegou, Salif Sané, Idrissa Ganagay, Joseph Lopi, Racine Colli, Salif Sis, Bingourou, Youssouf Sabri, Sidi Sarr, Pape Cheikh Diop, Kerpen Diata, Opanguet, Mamba Batiam, Lamine Kassama. Ces 20 Lyon pourraient même participer au premier galop prévu à 18h au complexe Omnisport Moulay Abdallah de Rabat. Donc, lolu moy première information. Deuxième information, alors que nous avons vu Ibrahima Niane remplacé Sadio Mané, Alissi a préféré remplacer Sadio Mané qui a le Covid-19 par Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye m'a remplacé donc Sadio Mané, un milieu terrain qui ne joue pas assez à Porto, il ne joue pas. Donc les raisons évoquées pour justifier cette convocation seraient entre autres le fait que l'attaque est déjà fournie avec 8 attaquants à la disposition d'Alissi. Donc si c'est cela, les attaquants qui m'ont convoqué dans le Paris, il ne pouvait pas convoquer un attaquant de plus, Mamadou Ndiaye qui dit donc Mamadou Ndiaye, en tout cas Alissi, c'est un choix mon que c'est que comprendre. Donc Koulibaly aussi sera de la partie autre joueur attendu à Rabat, c'est Kalidou Koulibaly. Après ce qui s'est passé à Naples, parce que Naples voyageait en Dem-Turin pour jouer ses matchs championnats, parce qu'il y a un cas de Covid-19, deux cas de Covid au sein de l'effectif du Napoli. Les autorités sanitaires locales ont obligé Koulibaly et ses partenaires à renoncer au déplacement à Turin. Mais Koulibaly fera partie des joueurs convoqués par Alissi. Il sera au Maroc pour discuter la rencontre. Donc après, c'est à partir de demain, mardi, soube, si le show sérieux du commencer. Donc Alissi dina am 24 jours à sa disposition. Mané remplacé nanko par Mamadou Ndiaye. Donc Clément Diop du ñew, il est retenu par son club, mon forfait. Les défenseurs Pau Cissé et Ousmane Ba, ñom dembu jouer nañ, ils vont venir le mardi. Donc ils vont transiter par la France avant de rejoindre leurs coéquipiers au Maroc. Ils arriveront demain en même temps que Boulaye Diarra et Habib Diallo, Mers, futur joueur de Strasbourg. Donc tous les joueurs des Lions du Sénégal seront présents à l'exception de Clément Diop, mais xamantene clubum doko té, donc son club Impact Montréal libéré woko. Donc ça c'est la seule fausse note donc de la liste d'Aliou Cissé. Donc Sadio Mané est remplacé par Mamadou Ndiaye. Bu lamb ji sadié mbeur ba waf djegéwuga. Donc Gaston décroché na une affiche de rêve entre Bombardier et Balagay numéro 2. Donc Bombardier Balagay mo donc Balagay Bombardier mo fi danu mo mujjé ci kawam. Donc Gaston Beng dina may une revanche dorée pour Balagay numéro 2. Donc ça c'est très clair. Donc combat bi teug nañ ko. Donc Bombardier néna qu'il sache qu'il a un combat na xamné amna combat bu reuy. Balagay néna Bombardier me doit deux rêves, mais y aurait encore nyari bord. Est-ce qu'il n'a pas failli, n'a pas. En tout cas, on attend le jour du combat. Donc revanche sulfureuse, explosive et indécise. Donc indécise parce qu'il y a toujours le coronavirus. Explosive parce que ça va opposer deux anciens rois de la reine sénégalaise, Bombardier et qui dit Balagay numéro 2, le lion de Guédio. Azindjay Nena, c'est un contrat, encaissé avance. Donc combat oui, c'est bien parti. Donc Khadim Sam Nena, Balagay numéro 2, moi le meilleur lutteur de 1940 à nos jours. Donc ça c'est très clair. Donc restitution de ces 10 millions, Gaston envoie une sommation à Gris ce lundi. Donc il faut se dire une chose, Gaston envoie une sommation. Sommation, c'est-à-dire c'est comme donc un rappel à l'ordre, mais légal et qui est dans les termes juridiques. Dafane Giri Bordo dès l'homme 10 millions d'avance il m'a le joxone parce que Giri Bordo donc on joue avance pour mbolé Balagay, mais comme beuri wun Gibodo dafa wara delo avance bi. Donc xawna fa indi ciow Gaston néna ko nama delo sama xaliss. Donc giri nak bu lekké xaliss bi nan na am problème. En tout cas
Donc Balagay ak Bombadier dinañ laalé dans cette nouvelle saison de lutte 2020-2021. Ñu joggé ci lamb di dem fële ci NBA basket parce que tay fokk ñor ci Omnisport bi. Les Lakers perdent la manche 3. Donc 3e match bi Miami Heat mo gagné Lakers 115-104. Donc Miami Heat avec un excellent Butler hein, wax na len ko. Butler il est exceptionnel, 40 points. Crowder donc am 12 points, Robinson am 13 points, Oli Nick am 17 points. Donc ils ont permis à Miami Heat de l'emporter face à LeBron James, donc qui a été le meilleur marqueur hein. LeBron James 25 points, Anthony Davis tay gisul avec 15 points. Donc ils ont été battus, donc score 2-1. Donc on attend vivement le match 4. Donc ça sera ce mardi à 1h du matin. Donc mardi 1h du matin, Miami Heat vont accueillir les Lakers. Mais avant cela, donc deux premiers matchs, les Lakers ils ont gagné. Surtout donc le dernier match du samedi 3 octobre. Donc 124-114 le Lakers d'Oron pour 2-0, pour 2-0 avec Anthony Davis 32 points et LeBron James 33 points. Donc Anthony Davis c'est l'homme qui porte actuellement avec LeBron James les Lakers qui sont en finale 10 ans plus tard. La dernière finale de Lakers c'était en 2010, il y a 10 ans. Donc c'est pour dire que l'arrivée de LeBron James donc un bien fou à l'équipe des Lakers. Donc Butler avait marqué lors de cette défaite 25 points, Crowder 12 points, Hero 17 points, Oli Nink donc 24 points. Donc c'est pour dire que ce sont les mêmes marqueurs hein, parce que ce sont deux équipes de très haut niveau. Ñaar équipe yu finale de NBA, ça veut dire que ce sont des équipes de très haut niveau. Ça c'est très clair.